ici et maintenant, non, 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 ici, ici et maintenant, non, non, ici, ici et maintenant, non, non. Maintenant, ici et maintenant, non, 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 ici et maintenant, non, 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 non. J'arrive quand je veux, 95.2, ici et maintenant. Vous écoutez radio, ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. Une heure du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir à tous, et nous sommes à l'autre lundi et David Abassi avec vous comme d'habitude mes chers amis. Je veux vous remercier toutes et tous de vos messages de soutien, je peux dire, voilà, concernant le dernier débat qu'on a eu ensemble. Merci beaucoup et on va le continuer bien sûr, pourquoi pas, surtout que sur les actualités, sur tout ce qui se passe normalement, tous les médias en parlent. Vous êtes débordés de tous les infos, de tous les côtés, tous les sujets sont abordés.
mais certaines choses que jamais on n'entend pas, personne n'ose pas en parler, c'est ça qui serait bien de partager ensemble. Et je vais être ravi d'être comme d'habitude, voilà, avec vous. Et nous allons continuer notre débat sur le paradis. Le paradis et les imbéciles, et qu'à ce jour-là, même encore plus naïf qu'un enfant de 5 ans qui croit au Père Noël, il croit au paradis. Ce soir, je vais vous donner des informations très précises, puisque suite, je fais une recherche de nouveau sur le paradis musulman. J'ai feuilleté, on peut dire, j'ai regardé, étudié, on peut dire, une dizaine de sourates. Et parmi ces dizaines de sourates, bien sûr, environ plus de 400-500 versets de Coran. Et là-dedans, on a trouvé certains éléments très très précis du paradis, paradis musulman. Ce que je peux vous dire ce soir, dans quelques minutes seulement après, vous avez la parole tout de suite, vous pouvez partager vos idées avec nous. J'ai sorti de sourate Asra, sourate Mohammed, sourate Rahman, sourate Insan, Zakhruf, Fatir, Dukhan, Naba, Vaghe et beaucoup d'autres sur le Coran et plusieurs versets. Alors, dans le Coran, mes chers amis, malheureusement, il traite, surtout quand il parle du paradis, il traite les gens, les fidèles, on peut dire franchement aujourd'hui, ici et maintenant, comme un enfant. Comme un enfant qu'il ne pleure plus, pour qu'il soit gentil, pour qu'il vous obéisse, vous le donnez, vous le montrez la lune, voilà. Et vous promettez beaucoup de jouets. Vous dites, voilà, je vais acheter ça, je vais t'acheter ça, tatati, tatata. Et tout ça, il fallait que je précise, mes chers amis. À l'époque, imaginez-vous que les gens, ils habitaient dans un désert, ici et maintenant, aujourd'hui, ou si c'était désert, vous n'avez rien de tout, il n'y a pas des arbres, et les femmes, à cause du vent, sont la plupart des fois couvertes à cause de la chaleur, et brûlées, on peut dire. Alors, de l'autre côté du monde, il y avait des femmes très très belles, vers Nil et froide. Il y avait des arbres, il y avait des rivières, ce qu'il manquait là-bas. Alors l'islam, il promet aux gens Jannatun tajri min tahta al-anhar, c'est-à-dire les paradis avec plein des arbres et des rivières. Mais imaginez-vous que nous avons pour classer cet schéma du paradis que l'islam il donnait, qu'actuellement, aujourd'hui, à cause du terrorisme international, islamiste, islamique ou islamiste, comme vous voulez, une des causes assez importantes, c'est cette histoire du paradis. L'individu, il n'a rien dans ce monde, et il va donner sa vie, soi-disant pour Allah, il va être tué en même temps aussi, il va tuer les innocents pour aller au paradis. Mais il ne faut pas oublier que dans toutes les religions, même dans l'islam, il y a un verset qui dit « Si tu tues une seule personne, comme tu as tué la totalité de l'humanité. » C'est-à-dire, ces imbéciles-là et les imams qui forment ces gens-là, parce que ce qui était nouveau, on vous a dit, il ne faut pas l'oublier. Et ce soir, vous allez voir comment, quand on forme les gens, il dit, voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est pardonné. C'est pour ça, pour la plupart des fois, c'est des délinquants qui entrent dans le combat terroriste djihadiste. Il dit, tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous allez voir, c'est le verset de Coran qui parle de ça. Tout est pardonné, allez-y, faites le djihad, tuez, et vous allez tuer, vous allez au paradis. Mais malheureusement, le paradis,
Et quelque part dans le Coran, il parle de ces cons-là qui font les guerres, les djihadistes à l'époque. Il y a déjà 1400 ans, pas aujourd'hui. Mais il y a pour d'autres raisons aussi qu'il vous donne la promesse du paradis. Et moi, j'ai partagé à 12, c'est-à-dire il y a 12 portes pour aller au paradis. Alors, comme il dit le Coran, c'est les expressions du Coran, il dit Bab el-Siam. Bab, ça veut dire la porte. C'est pour ça que moi aussi je dis la porte. Il dit par le Siam. Siam, c'est quoi? Siam, c'est jeûne. C'est-à-dire les musulmans qui jeûnent, qui font Ramadan. Voilà. 12 portes. 1, c'est le Siam en arabe. Le Ramadan, faites le Karim en français. Bab Salat, la deuxième. Salat. Salat, c'est quoi? C'est faire votre prière. Vous faites votre prière, vous allez au paradis. Bab Sadaqa. Sadaqa, c'est quoi? Ce qu'ils font de la charité. C'est la charité. Aider l'autre individu. Bab al-Rahma. Avoir pitié envers l'autre. Voilà, ça aussi c'est une porte au paradis. Et en apoulou, comme je viens de vous dire, Katemin al-Qais, les gens qui ne se fâchent pas, les gens qui sont capables de se faire calme au moment qu'ils vont être fâchés. Vous voyez? Ah, bon, vous voyez? Très facilement, ils vous donnent le paradis. Hein? Après, vous avez Bab al-Iman. Les gens qui ont le foi musulman. Hein? Bab al-Hajj, c'est-à-dire l'autre porte, c'est quoi? C'est la porte de pèlerinage. Aller à Mecque. Et Bab el-Omre, vous savez qu'il y a deuxième pèlerinage et le petit, et on dit Hajj el-Omre, c'est-à-dire, ce n'est pas en ce moment-là, comme vous savez, aujourd'hui je crois que ça sera terminé, pas le pèlerinage traditionnel, c'est dans les mois qui viennent. Ah, si vous avez la capacité, vous allez à la Mecque, et ça aussi c'est un Hajj el-Omre, et là aussi vous avez le paradis. Après, douzième porte, c'est ça. Regardez, la douzième porte pour paradis, c'est le djihad. La guerre, mes chers amis, saint, soi-disant. La guerre en faveur de la chemin d'Allah. Ça, c'était les portes. Mais ce soir, je veux vous donner une étude académique concernant ce paradis, cette Père Noël, ce problème officiel que fabrique, mes chers amis, le terroriste. Après, dans ce paradis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Il y a des sources de plusieurs goûts, c'est-à-dire l'eau qui sort, ils ont plusieurs goûts. Goût de camphère, goût de nectar du vin, et goût de gingembre. Et beaucoup d'autres goûts, c'est-à-dire vous avez les sources, vous voyez, beaucoup de gens actuellement, ils ne boivent que l'eau de source. Cette eau, vous avez beaucoup de sources en paradis, et ne sont pas de l'eau tout à fait normale, ils ont un parfum avec. Après, vous avez des rivières. Dans ce paradis, vous avez des rivières que nous en avons beaucoup parlé, surtout trois rivières qui sont très connues, et l'islam, il insiste, c'est la rivière d'eau, après la rivière de lait, et la troisième, c'est rivière de miel. Et bien sûr, après, rivière de vin aussi. Et comme on a dit plusieurs fois, mes chers amis, vous savez, jamais vous ne pouvez pas utiliser un vin qui est dans une rivière.
à Houston actuellement, toutes les rivières se débordaient, plusieurs millions de personnes sans abri, plus de 2 millions. Alors imaginez-vous qu'il est en train de vous dire que ces rivières du vin, du lait et du miel, qui est impossible, puisque le lait va être abîmé tout de suite s'il n'est pas dans le frigo, et le vin, si vous ne le protégez pas dans le cave, vous ouvrez la bouteille, après quelques jours, il va devenir du vinaigre. Mais malheureusement, les gens, ils croient. Ils croient qu'ils voilà, ils vont aller là-bas. Il y a des rivières qu'ils peuvent prendre comme ça, comme en prendre de l'eau, pour boire du lait. En plus, imaginez-vous que du lait avec du vin, avec le miel, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Vous allez tomber malade et mourir juste les premières semaines de votre vie au paradis. Alors, il y a d'autres histoires et d'autres précisions concernant le paradis musulman que je ne veux pas vous prendre beaucoup de temps ce soir. J'aimerais bien que vous participiez également à notre débat. Permettez-moi de le laisser pour tout à l'heure, surtout l'histoire de paradis pour les djihadistes, parce qu'à ce sujet-là aussi, c'est très important de savoir qu'il y a des idées un peu fixes pour les djihadistes. Ces gens-là, je veux vous dire tout de suite, ces gens-là, les djihadistes qui gagnent le paradis, déjà ils sont, on le nomme shahid, martyr, et le martyr qui tombe mort pour la réalisation de la voix d'Allah. La voix d'Allah, c'est quoi? Ce que imam, il décide, ce qu'un Abu Bakr Baghdadi ou Ben Laden décide. C'est ça la loi, la voix d'Allah. Alors, ces gens-là, le soir, aussitôt qu'ils entrent en paradis, tout de suite, tous les péchés, c'est pardonné. Tous les péchés qu'ils ont faits, c'est pardonné. On met sur la tête de ces gens-là le trône, il devient roi une fois qu'il est martyr. C'est selon le Coran, non? Et il obtient tout de suite 72 vierges, des filles du paradis. Et ces gens-là, les martyrs, imaginez-vous, tout le monde. Tout ce que vous êtes en train de m'écouter, sauf les djihadistes, sauf les imams qui forment les terroristes, ne savent pas ça. Surtout cette partie-là que je vous dis maintenant. Cette mensonge qu'on donne aux gens. C'est hypocrite. Cette Père Noël mensongère du paradis. 72 vierges, tatati, tatata, pardonner tous les péchés. Mais en plus, 70 membres de sa famille ou si on t'autorise d'entrer dans le paradis. Alors quelqu'un ne va pas devenir martyr. Mais jamais il ne réfléchit, même pas 30 secondes, que tout ça c'est impossible. Pourquoi? Puisque après, dans le verset du Coran, il parle de beaucoup de choses, mes chers amis, surtout de la construction des bâtiments dans les forêts. C'est des palaces, c'est des palais. C'est-à-dire, le Dieu, il devient un agent immobilier bug, ou je ne sais pas quoi, au Vinci, pour créer pour chaque individu des châteaux. Des châteaux avec des grandes chambres qui donnent tout de suite accès à toutes les rivières qu'on vous a dit, qu'on vous a expliqué. Il y a beaucoup d'autres choses à ce sujet. Si on aurait le temps, je vous donnerai ce soir, sinon prochaine fois, pour voir le paradis musulman. Et c'est des promesses mensongères et tellement naïves. Et je ne sais pas comment un individu majeur avec un cerveau, il arrive à accepter, à croire que pour le petit chose comme ça, qui est impossible à réaliser. Impossible à réaliser pour plusieurs milliards de personnes qui sont venues depuis plusieurs milliards d'années sur Terre.
Ah, et il vient de devenir martyr en tuant les innocents sur les traces des cafés, dans les rues, dans les villes, dans les villages. Voilà, mes chers amis. Alors, tout de suite, vous avez la parole, mes chers amis. On va vous écouter en composant le 08 92 23 95. Vous avez la parole. On vous écoute, mes chers amis. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct à partir de 23h. Sur Ici et Maintenant, 95.2. Lundi et dernier samedi de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abbassi en direct sur l'antenne d'Ici et Maintenant, 95.2 FM. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, Ici et Maintenant, bien sûr sur l'internet icietmaintenant.com. Et n'oubliez pas que Radio Ici et Maintenant est désormais présentée 24 sur 7 sur la radio numérique terrestre, sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+. DAB+, c'est Digital Audio Broadcasting. Radio diffusion sonore numérique. Et bien sûr, en tapant ici et maintenant.com,
aussi, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Elle en parlait du paradis, paradis musulman. Et vraiment, c'est, il faut être tellement naïf, quoi, avec un cerveau tellement petit, de croire tous ces mensonges-là, comme quoi il y aura un autre. Vit avec le même cadavre, avec le même cœur, et dans un autre endroit, et avec des imaginations, des châteaux, des rivières, etc., etc. Surtout que M. Mahomet lui-même aussi il va être présent, et lui, il a beaucoup davantage par rapport des autres fidèles, par exemple comme le fleuve Al-Kawthar. Kawthar, c'est une rivière, fleuve qui est seulement pour lui. Cet fleuve est celui d'Allah, qui a offert c'est spécialement Monsieur Mahomet. Et là-bas, au paradis, Allah il a préparé sans échelons, sans étapes, sans étages, sans degrés pour les martyrs, pour les gens qui tuent les individus innocents, soi-disant. Et ça, c'est entre le ciel et la terre, c'est-à-dire il y a un accès dans le retour de pouvoir s'installer où il veut, vous voyez, comme les oiseaux. Après, vous avez des arbres. Imaginez-vous que tout ça, ça peut exister ici dans ce monde-là, et vous pouvez l'avoir très facilement sans aucun problème. Acheter une bouteille de vin, ça ne coûte que 2 euros. Du lait, c'est 50 centimes. Ce n'est pas trop cher, hein, avoir une bouteille de vin. Alors, il faut tuer, être tué pour aller là-bas, pour profiter de ça. Après, surtout, des arbres du paradis et leurs fruits. Il cite certains fruits comme acacia, zeytoun aussi. Il précise beaucoup, il parle beaucoup sur le zeytoun, les olives, comme quoi vous allez avoir le paradis. Ici, avec 1 euro, vous pouvez avoir des olives sans aucun problème. Vous pouvez acheter, manger autant que vous voulez. Et beaucoup d'autres fruits qui sont dans le Coran, et il donne la promesse de vous donner au paradis. Et quand il parle des arbres et des fruits, imaginez-vous qu'il va vous donner du caviar ou du safran ou je ne sais pas de quoi, puisqu'à l'époque dans le désert d'Arabie Saoudite tout ça n'existait pas, et il était obligé de donner des adresses que les gens ils avaient en envie. Après, les lieux d'habitation, Allah va construire au paradis des agréables lieux d'habitation pour les habitants. Je peux vous lire la même chose en arabe aussi, hein, mais je ne veux pas perdre votre temps, puisque je sais pour la plupart de vous, vous ne comprenez pas arabe, mais c'est ce que ce soir David il est en train de vous dire, comme toujours, comme d'habitude, ce sont les versets du Coran. Cet schéma de paradis, c'est donné par les versets du Coran, une dizaine de sourates que je vous ai dit, plusieurs versets, il parle et il vous dessine le schéma du paradis. Alors, les chambres dans votre château, les chambres, c'est sur lesquelles coulent les fleuves. Ça aussi, vous pouvez les avoir actuellement. Il suffit d'aller à Touquet ou à Deauville. Ce n'est pas où, Dunkerque. C'est pas très loin. Vous avez la mer, vous avez tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous nager, louer des chambres, des hôtels. Vous voyez, à chaque. Après, il y a même des tentes. Des tentes, parce que de temps en temps, c'est vrai, construire des appartements, c'est un peu difficile. Alors, Allah, il va vous fabriquer des tentes avec 60 000 largeur, 60 000 longueur. Et chaque musulman qui construit un mosquée dans ce monde, encore un autre verset, dites-vous, chaque musulman qui a construit un mosquée, là-bas, il va avoir la même chose. C'est-à-dire, tu construis un mosquée, alors il va te donner un château identique là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il va faire l'individu de tout ça? Ça, c'est une question à poser. Hein? Alors, il parle même de la nourriture.
et de la boisson au paradis. Boisson, comme je viens de vous dire, c'est de l'eau, de lait, miel, ils le considèrent à côté de trois autres boissons, comme le vin. Je ne sais pas, miel, ils ne savaient pas peut-être, qui n'est pas comme le vin, ce n'est pas liquide, le miel. Mais dans le Coran, quand il parle de quatre rivières de boissons, il met là-dedans miel. C'est-à-dire, vous avez du lait, de l'eau, du vin et miel. Miel, il est au milieu, avant le vin. La nuit et le jour au paradis, mes chers amis. Au paradis, la lumière brille toujours. L'obscurité ne tombe qu'à la fermeture de porte. Dès qu'on va fermer les portes, je ne sais pas, il y a une fermeture de porte. Non, voilà, mais il dit, le Coran, la nuit, il tombe quand on ferme les portes. Et l'odeur, il parle même de l'odeur au paradis. Il dit odeur agréable de parfum. Alors, cette parfum, on ne sait pas si c'est Guerlain, Yves Saint Laurent, c'est quoi. Il dit qu'il y a du parfum aussi au paradis. Et bien sûr, quand vous êtes dans le château avec plusieurs milliers ou dizaines d'arbres et de fleurs, etc., le parfum. C'est-à-dire avoir un parfum actuellement. L'autre jour, j'ai vu, même dans certains marchés parisiens, ce n'est pas un bon lieu. Dans certains marchés parisiens, vous pouvez acheter eau de cologne et les parfums bien emballés à 1 euro. 1 euro. Alors, les gens au paradis, ils donnent même une description sur l'individu, sur les gens. L'âge, c'est 35 ans. Vous n'aurez ni plus ni moins, 35 ans. Et la grandeur de l'individu, c'est comme à la création. On ne sait pas comment il était, mais il dit ça à la création. Après, une chose qui est assez importante, qu'il insiste beaucoup, c'est Hur al-Ayn, c'est les femmes. Les femmes au paradis, ce sont les femmes très très belles, très très jeunes, avec les seins tellement petits, et avec le peu très clair. Même, regardez ici, je suis désolé, c'est lui qui le dit, il est un peu raciste, puisqu'il dit les femmes, le cœur c'est clair. On n'a pas bronzé, on n'a pas d'autres couleurs, c'est clair. Et ces femmes-là sont offertes, c'est les 72 vierges. Et c'est Hur al-Ayn. Hur al-Ayn, c'est-à-dire les femmes qui ont des beaux yeux. Et les beaux yeux, à l'époque, on disait aux femmes d'Irak d'aujourd'hui, je vous ai dit samedi dernier, mes chers amis. Alors, il y a deux rivières cachées aussi qu'il en parle. Ces deux rivières cachées, mes chers amis, c'est Seyhan et Jeyhan. Et pour la plupart des fois, Seyhan et Jeyhan, ça existe. S'ils savaient ou s'ils ne savaient pas, c'est deux rivières qui existent. Mais en même temps, on parlait de Al-Furat et Al-Nil. Le Nil, c'est en Égypte, et Furat, c'est en Irak. Ces deux rivières-là aussi, c'était dans la promesse du paradis que Mahomet il donnait. Il faut pas oublier que cet paradis que Mahomet il donnait l'adresse, le moment qu'ils ont attaqué la Perse, attaqué l'Égypte, ils ont trouvé des belles filles, des châteaux, des jardins, etc., etc. Ils ont dit, voilà, c'était le paradis que le prophète nous a promis, mes chers amis. Encore, on peut parler beaucoup plus de tout ça, mais je ne sais pas, l'individu qui est sage, qui a 15, 16, 18 ans, 20 ans, 25 ans, et comment il tombe dans le piège de propagande et des chefs religieux comme Abu Bakr al-Baghdadi ou comme Ben Laden. Après, ces gens-là, ils ont leurs représentants partout. Et il ne faut pas oublier l'individu qui devient fanatique terroriste.
même s'il était délinquant, comme je viens de vous dire, déjà on le promet que tous les péchés qu'il a fait vont être pardonnés. Mais par contre, jamais on ne laisse pas l'individu de réfléchir que tout ce qu'on dit, que tu vas le trouver en paradis, sauf 72 vierges, parce que ça, c'est quelque chose. Mais après, il parle de vêtements. Il dit, vos vêtements, c'est toujours en soi. Mais tout ce qu'il vous propose, vous pouvez l'avoir ici et maintenant. Tout ça. Si le vin est bien, vous pouvez boire autant de vin que vous voulez. Regardez les gens qui boivent beaucoup de vin, c'est les mesquines qui n'ont pas appris pour vivre. On dit clochard, STF, leur vin est gratuit. Ils ont le vin, sans aucun problème, bouteille d'eau. 6 bouteilles d'eau, source. Que par rapport aux autres marques très chères, on dit ça c'est le meilleur en plus, c'est 1,20€ vous pouvez acheter. Et du lait, ce n'est pas très cher. Tout ce qu'il vous promet, même avoir des belles filles, des belles femmes pour vous marier, pour prendre une belle fille de 18 ans, de 20 ans, de construire votre vie familiale, c'est pas difficile là. Vous êtes n'importe où, il y a plusieurs milliers de femmes pour se marier. Mais je ne sais pas comment ça se fait que les gens, ils tombent dans le piège des moftis, d'imams, et ils deviennent fous. Ils deviennent fous et ils commettent les grands crimes qu'actuellement nous sommes témoins en train de le voir à droite et à gauche. Et au nom d'Allah, au nom de l'islam, et je précise de nouveau que dans le Coran même, il dit si vous tuez une personne, comme vous avez tué la totalité de l'humanité, ces connards-là, jamais ils ne se rappellent pas de cette parole. Je vous ai dit 12 portes pour le paradis, c'est acceptable le 11. Faites vos prières, faites vos patatives, si vous voulez. Voilà, ça c'est autre chose, ça ne gêne personne. Le 11 portes que David, il vous a cité, ça ne gêne personne. Seulement c'est le 12e qui est gênant, c'est le djihad. C'est le 12e qui est en cause actuellement. Devenir terroriste et tuer les innocents, tuer les enfants, les femmes, les hommes, sous n'importe quel prétexte. Et tuer vos frères, vos familles. Combien de familles ont été massacrées? Une fois que cette guerre a été commencée, vous avez sans doute lu dans les pays comme l'Irak, comme la Syrie, Pakistan, on est en train de tuer les familles qui se sont mariées avec d'autres tribus, qui se sont mariées avec d'autres branches islamiques. Cet massacre, cet assassinat, c'est honteux. Ce honteux est l'histoire du paradis, le schéma du paradis, selon le Coran que David vous a donné dans quelques minutes ce soir et samedi dernier. Vous pouvez constater que c'est tellement naïf, et c'est tellement pas cher pour l'obtenir ici et maintenant. On n'est pas contre spiritualité positive. Vous pouvez être positif dans la spiritualité et croire à certaines choses, mais vous pouvez créer votre paradis ici en travaillant 10 heures, 8 heures par jour, mes chers amis. Tu peux avoir ta femme, une belle femme, énormément de femmes belles, il y en a. Vous pouvez vous marier, construire une maison et travailler bien. Quand on travaille, vous faites n'importe quoi, imaginez-vous. Quand vous marchez n'importe où, il y a des gens qui travaillent. N'importe comment, mais ils travaillent, ils gagnent leur vie. Moi, je vois quelqu'un qui vend le maïs seulement. 1 euro le maïs. De temps en temps, j'ai envie de manger un maïs. L'autre jour, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit qu'il gagne entre 300 et 400 euros par jour, seulement en vendant le maïs. Vous pouvez travailler. On ne vous empêche pas de travailler, de gagner votre vie.
construire votre paradis vous-même. Pourquoi vous voulez attendre qu'Allah il vous construise ailleurs ce qui n'est pas, personne n'a pas vous. Lisez les poèmes, les quatre ans de Omar Khayyam. Lisez les quatre ans de Omar Khayyam, s'il vous plaît. Grand philosophe, mathématicien, astrologue. Il disait il y a déjà 1000 ans, prends ce que tu as aujourd'hui. Laisse tomber la promesse et les promesses. Toutes les promesses, c'est des mensonges. Profite de ta vie, ici et maintenant. Laisse tomber. Je vous assure, vous pouvez boire du vin, boire du lait, de l'eau, manger tous les fruits qu'il vous promet. Les fruits ne coûtent pas cher dans n'importe quel marché que vous allez. Punaise, comment on peut être imbécile de tomber dans le piège des ayatollahs, des clergés, des gens qui sont patrons de l'islam, soi-disant, pour détourner la tête des gens. Ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct, à partir de 23h, sur Ici et Maintenant, 95.2. Mes chers amis, en composant, de toute façon, même dès le départ, vous avez eu la possibilité de m'appeler pour intervenir. On va vous écouter 08 92 23 95 20. Si vous voulez parler sur d'autres sujets, vous êtes le bienvenu. On va être ravis de vous entendre. Vous, si vous avez des questions et si vous voulez contester les propos de David, vous pouvez le dire, mais n'oubliez pas, David Abbassi n'est pas la radio ici maintenant et la radio ici maintenant n'est pas David Abbassi. Moi, j'ai le plaisir et je veux remercier le président de la radio de me donner cette antenne libre que, comme un historien, j'exprime mes idées, mais ce que je sais, ce que j'avais étudié, ce que je sais comme un historien est correct, est net et propre, je vous expose. Après vous, vous avez le temps de réfléchir, de contester ou de confirmer, ou même s'il y a d'autres sujets que vous désirez parler, ça sera avec grand plaisir, mes chers amis. Voilà, c'est 08 92 23 95 20. Vous écoutez votre radio ici maintenant. Et n'oubliez pas, ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. We'll be right back.
quand ça? Maintenant. Comment? Ici et maintenant. Ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà, nous avons Farid et Michael, mais on va prendre Farid d'abord. Bonsoir Farid. Bonsoir Monsieur David. Vous allez bien Monsieur Farid? Ouais, alhamdoulilah. Et la famille? Ça va, ça va. Merci. Bien. Et toi, ça va? Ça va, ça va. Merci, grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu as contre les 72 vierges? Moi? Ouais, t'aimes pas les vierges, toi? Oh, c'est impossible. Oh, écoute, c'est un travail très dur. Hein. Non, on mais c'est pas agréable, les vierges, non? Surtout 72 fois. Hein. Tu sais, ça, c'est du boulot. C'est du boulot, là. Puis, là ouais. C'est très difficile, en plus. Ouais, bah, avec une ou deux, comme ça, de temps en temps, pas non. Tous les jours. Écoute, c'est tous les jours 72, ils sont vierges, et tu es obligé de satisfaire les 72 personnes par jour, et tu vas avoir des problèmes, comme les autres, ils en ont. Ça peut être fatigant, ouais. Non, mais disons non, tu vas avoir des problèmes, si tu ne peux pas les satisfaire, ils vont aller ailleurs, hein. Ils vont aller écoute, quand tu en as 72, hein, tu sais, hein, tu peux en prendre ce que tu peux, c'est toujours mieux que rien. Et les autres? Et les autres? Mais dis donc, David. Oui, oui. Tu n'aimes pas l'islam, toi. Tu n'aimes pas l'islam. Tu es contre l'islam. J'ai remarqué ça depuis 30 ans que je te connais. Ça fait 30 ans que tu parles de l'islam comme c'est une mauvaise religion, que c'est pas bon et tout ça. C'est pas bien, ça. Pourquoi? Quelle religion tu préfères, toi? Est-ce que tu crois en Dieu, toi? Est-ce que tu crois au paradis? Est-ce que tu crois à l'éternité? Parce que tu racontes pas, toi, tu dis pas. Tu sais dire que l'islam c'est pas bien, mais tu dis pas les autres ils sont bien, pas bien, pourquoi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois pas? Bien sûr, tout ce que tu dis là, d'un point de vue des terroristes, bien entendu, c'est des salopards. Ça, on est d'accord, tous, c'est des fous, c'est des assassins, c'est tout ce que tu veux. Mais l'islam, quand même, tu devrais respecter, quand même, c'est une religion, ça fait 14 siècles, il y a plus d'un milliard de personnes qui y croient, et je vois pas pourquoi tu mets l'islam complètement comme une obsession, à chaque fois que tu parles, l'islam c'est pas bon, le Coran je l'ai lu, je connais, tout est du bidon, et toutes les autres sont vraies. Alors, tu pas tout ça. Ouais. Dès que je commence à te répondre, tu ne veux pas partir. Hein. Écoute, Farid, il y a déjà 48 heures, tu es venu sur cette antenne, tu as dit que tu étais athée, que tu ne connais pas l'islam non plus, que tu n'avais pas eu l'éducation musulmane, que tu ne connais rien sur l'islam. Et même il y a déjà 48 heures, tu posais la même question comme tu as posé il y a déjà 30 ans, 20 ans, 25 ans, et c'est toujours David qui t'a répondu, gentiment. Et quand tu viens, tu répètes des choses. Ah, je pense que tu as plus de 70, 72 ans, tu peux être comme mon père. Un papa ne fait pas comme ça avec son enfant, il ne dit pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Chaque fois quand tu viens, tu dis tu es contre l'islam, contre l'islam, contre l'islam. Et si quelqu'un il vient de nous capter, qui ne connaît pas David Abbassi avec 130 livres qu'il a écrit, qui ne connaît pas David Abbassi avec plus de 7000, combien de Farid, 7000 heures émissions radio et télévisées présentes actuellement même sur l'internet en 4 langues que vous pouvez aller écouter. Dans tous ces propos-là, jamais tu peux pas trouver quelque chose que David il est contre l'islam. Par contre, je suis ici là pour sauver les musulmans. Et tu viens chaque fois et tu oublies ce que tu as dit hier, avant-hier, en disant tu es contre l'islam, contre l'islam, contre l'islam. Moi, je te dis, je te répète, je suis contre, comme tout le monde intelligent, comme tout le monde civilisé, comme tout le monde qui sait lire et écrire, et que, comme tout le monde qui a un cœur, même s'il ne sait pas écrire ni lire, je suis contre l'islam terroriste.
Je suis contre l'islam fanatique. Je suis contre l'islam djihadiste. Mais je ne suis pas contre le musulman, ni contre l'islam de la paix. Il y a un islam qui est gentil. Et je viens de te dire tout à l'heure, tu n'as pas encore écouté mon fils. Je veux te dire mon fils, pourtant tu es mon père. Encore tu n'as pas écouté, j'ai parlé de 12 portes pour le paradis. Et je t'ai dit que 11 portes, c'est correct, c'est raisonnable. Ça ne veut pas gêner personne, mais c'est la 12e qui pose le problème. Et encore tu viens répéter ton slogan. Toi, tu m'as dit que tu étais communiste. En plus, tu ne connais pas l'islam. Et par contre, quand moi, je connais l'islam, et quand je te cite certains versets, comme tu as accepté, il ne faut pas venir chaque fois ici. David, tu es contre l'islam? Ha! Tu es contre l'islam? Farid, s'il te plaît, arrête cette plaisanterie. Voilà. Maintenant, tu as la parole. J'espère qu'il t'aura dit des belles choses. Si tu n'es pas parti. Regarde, il parle. Punaise. Il est formidable, cette Farid. De toute façon, c'est quoi? C'est notre. T'as du temps, on dit. Farid, il vient, il dit n'importe quoi. N'importe quoi. Tu dis, il y a plusieurs milliards de musulmans. Je t'ai dit, en France, on a dit, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a dit. On a 7 millions, 8 millions de musulmans, mais il y a 18 millions de fichiers S, 11 000 personnes poursuivies. Les autres sont gentils, c'est l'État qui le dit. Mais de l'autre côté, islam terroriste, encore une fois, je vais te dire Farid, écoute bien. Islam terroriste, islam djihadiste, islam fanatique, si tu penses que c'est David qui le dit, je suis désolé. Tu ouvres ton chaîne de la radio ou télévision, je ne sais pas quelle chaîne tu écoutes et tu regardes, sauf Al Jazeera et Al Arabiya et le truc arabe si tu regardes. Tu regardes les chaînes européennes, qu'ils soient les chaînes américaines, européennes, qu'ils soient allemandes, français, britanniques. Maintenant, tout le monde il parle de deux islams, de deux islams. Un, c'est l'islam des gens. Toi, en plus, tu n'es pas musulman parce que toi-même, tu viens de dire déjà 48 heures que tu ne connais rien sur l'islam. Moi, je suis prêt, comme d'habitude, depuis 30 ans, de discuter avec les savants musulmans. Vous pouvez les inviter avec grand plaisir. Ils ont peur de venir face à David. Ils ont peur, puisqu'ils savent, plusieurs fois, je les avais invités. Vous avez sur l'internet les émissions, vous pouvez écouter. Parce que moi, je connais l'islam, je connais le Coran, et voilà, comme ce soir, je sors, après, c'est à vous de répondre. Vous avez la carte blanche, et de me proposer de parler d'abord avec ces gens-là, s'ils sont d'accord de venir dans le studio même. Je suis prêt à discuter avec ces gens-là. Mais vous, vous sortez des slogans. Ces slogans, en plus, je ne sais pas si quelqu'un, il te demande de le faire, parce qu'il a toujours entendu concernant ta gentillesse envers des gens. Je ne sais pas si tu étais syndicaliste, tu étais quoi, tu étais les gens. Si on te demande, voilà, vas-y, lance quelque chose contre David, tu viens te dire, après tu pars. Tu ne restes même pas pour répondre ou pour écouter, tu es parti. C'est toi-même, Farid, qui est parti. Je ne t'ai pas coupé. j'ai baissé ton son pour parler. Mais chaque fois, tu lances, ah, pourquoi tu es contre ça? Ah, enfin, je t'en prie, Farid. Quand tu viens sur l'antenne avec David Abbassi, je t'aime bien. Abandonne cette parole, une phrase. David, tu es contre l'islam, il y a un milliard de musulmans. Non, c'est des mensonges. En plus, à quoi je pense? Tout le monde le sait, si tu ne le sais pas, puisque tu ne l'écoutes pas. Quand moi je parle, tu ne l'écoutes pas. Même ce soir encore, tu ne nous as pas écoutés. Je t'ai dit qu'il y a 12 portes pour le paradis. C'est la 12e porte que j'ai citée pour les djihadistes. Le 11, c'est une jeune personne. Et tu n'as pas regardé... 11 portes qu'on a parlé, même 12e, on a encore précisé. On laisse tomber, on laisse tomber. S'il vous plaît, mes chers amis, je veux vous inviter à faire de propagande vous-même autour de vous pour que cette antenne, comme c'était depuis. On arrive à 40 ans, non, c'est vrai que c'est 30 et quelques, mais 40 ans c'est demain. Ça fait 2010 de siècle après 10-12 ans, voilà, le temps passe vite, 13 ans, ça fait 50 ans, 2010 siècle,
qui est en école pour former beaucoup de gens. Moi, je suis tellement ravi de vous dire et de vous préciser, il suffit de taper seulement sur l'Internet, cette radio a changé la tête de beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étaient fanatiques, beaucoup de personnes qui étaient en vogue en faveur de la religion, etc., etc. Grâce à la lumière que cette antenne a donnée, ils sont devenus quelqu'un. Moi, je le connais, je suis en contact depuis des années avec tous ces gens-là de loin, par un email, par un petit message sur Facebook, etc., etc. Voilà, je le sais que c'était constructif, de tout ce qu'on a fait depuis des années. Je suis ravi. De toute façon, la religion, n'importe quelle religion, doit aller dans le temple, dans la mosquée, dans l'église. Il ne faut pas gêner le peuple et la population. Actuellement, c'est l'islam politique qui est en train de gêner le monde entier. On doit le repousser vers les mosquées, qu'il entre dans les mosquées, qu'il ne sort pas de la mosquée. Le danger, il est quotidien. Il est quotidien. Et le système... il est en train de travailler, par exemple, sur certaines choses que je ne vais pas le dire. Mais ça ne va pas durer, et cette menace de terroriste, ça va régler, mais ça prendrait du temps. Ça prendrait du temps. Mais le conseil que je donne à tous mes amis, de devenir un peu intelligent, Farid, surtout toi, au lieu de venir lancer une phrase après partir, vas-y lire un peu quand même, punaise. Lire, vas-y, le livre n'est pas tellement cher. Ah, pardon, excuse-moi, parce que l'autre, je t'ai dit, peut-être tu ne sais pas lire ni écrire. Si c'est le cas, tu peux écouter sur l'Internet, chez toi, et tu peux aller sur Google ou je ne sais pas quoi, YouTube. Il y a énormément d'informations, tu peux écouter. Tu peux, ce que t'as manqué quand tu étais dans ton pays d'origine, comme tu viens de dire plusieurs fois, maintenant tu peux l'apprendre. Il faut l'apprendre. Vas-y, apprendre. Et c'est quoi le Coran? C'est quoi l'islam? C'est quoi l'histoire? C'est quoi la différence entre Dieu et les prophètes? Etc., etc. Et il faut aller apprendre un peu. Apprendre un peu. Plusieurs fois, je te dis, lire un bouquin. Te le lire pour nous. Comme James l'a dit l'autre jour, tu es un type très intelligent, tu parles très très bien, tu maîtrises bien la langue française, tu parles formidablement, mais seulement, toi-même tu dis que tu n'es pas musulman, mais chaque fois tu viens m'embêter avec une phrase seulement. Alors mes amis, maintenant c'est votre tour, ne dormez pas, vous dormez. Il reste encore une heure que je vais être avec vous et vous avez la parole. Je ne veux plus parler ce soir, mais sauf s'il y a des bêtises, je vais répondre tout de suite. S'il y a des Moyen-Âge qui va venir ici me questionner sur mes pensées, mes idées, à quoi tu penses ta vie, ça, tu sais, ça c'est interdit, Farid. Ça c'est interdit. Juger les gens, c'est interdit. Dire des mensonges sur les gens qui sont vivants en face de toi, c'est interdit. Et demander aux gens à quoi ils pensent, comment ils pensent, pourtant ces gens-là, ils sont en train de parler tous les jours, aussi, ce n'est pas honnête. David, moi j'ai parlé beaucoup, c'est vrai, j'ai écrit aussi beaucoup, mon cher ami. Voilà. Oh, 08 92 23 95, vous avez la parole, mes chers amis. J'aimerais bien ne pas savoir trop tôt la fin, mais pour l'instant c'est ici et maintenant. Pour l'instant ça passe ici et maintenant, ici et maintenant. Mais pour l'instant ça. Nous avons M. Pierre qui a composé le 08 92 23 95 20. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. C'est pour dire que au sujet de l'islam par rapport au judaïsme,
je suis juif, plus ou moins pratiquant, je pratique en partie. Oui. Allô. Allô. Pierre, on vous écoute, ne t'inquiète pas. Oui. Tu peux oui. parler. Oui. Et en fait, dans le judaïsme, on considère qu'il y a une loi donnée pour toute l'humanité qui est une loi de Noé, une loi de Noah, tu connais peut-être. Et pour le peuple juif, la Torah, le reste de la Torah, c'est en 13 commandements. La loi de Noé, actuellement, c'est 7 commandements. Il y a une époque, il y a 30 commandements dans la loi de Noé, mais il y en a 7, c'est un peu variable dans le temps. Et en fait, d'après tous les sages du judaïsme, les musulmans sont noachides, ils doivent respecter les lois de Noé. Donc d'après la religion juive, les musulmans n'ont pas de problème par rapport à ce qu'étant le créateur d'eux. Pour les chrétiens, c'est beaucoup plus discuté, parce que les questions de trinité, dans le judaïsme, on dit qu'il ne faut pas adorer une créature, alors pour nous, Jésus, c'est une créature, pour les chrétiens, c'est Dieu, donc c'est très discuté, s'ils sont noachides ou pas, les chrétiens. C'est très discuté, les chrétiens sont n'ont pas une amie à ce sujet. Mais les autres religions, évidemment, qui sont pas noachides, hein, il faut pas être idolâtre quand on est noachide. Et l'hindouisme, c'est idolâtre à plein nez, et tout, je veux dire, à l'autre religion, le bouddhisme aussi pour l'homme, qui sont plusieurs dieux et tout, je crois. Enfin bon, Bouddha, c'est compliqué parce que, enfin, compliqué. On a demandé à Bouddha, si fait que croire au dieu, c'est de l'hindouisme, donc c'était les dieux. Il fallait croire au dieu, et Bouddha n'a pas répondu. Alors les bouddhistes ont répondu pour Bouddha, et ils ont une trentaine de dieux, en fait. Bon, des vitaux de Dieu. Bon, donc, voilà. À mon avis, autant du grand jugement, je pense que ceux qui nous ont le chute vont être jugés après la loi de Noé. Ça, c'est pas le problème. Je crois que c'est mon opinion, parce que je crois pas que... Je sais pas si le judaïsme doit faire cette opinion-là, honnêtement. Mais je crois que ceux qui sont pas nés dans le chute vont être jugés sur leur midot, sur bonne ou mauvaise qualité. La qualité humaine, l'amour du prochain, la bonté, la générosité, la justice, tout ça. Allô? Oui, Pierre, je t'écoute. Tu sais que pour la part des trucs de Coran, c'était emprunté une grande partie de Torah. Une grande partie. Oui, c'est inspiré en partie, hein. Il y a fait l'élémentaire, ça ressemble en partie. Les musulmans sont réellement monothéistes parce qu'ils croient en un seul Dieu, tout à fait monothéiste et tout. Les chrétiens, ça se discute. Voilà. Mais la différence, tu sais, c'est que une partie des empreintes de d'autres religions de prophètes de l'islam, après, c'était détourné, ou peut-être il n'avait pas la totalité de l'information, il n'a pas correctement cité dans le Coran. Parce que certaines informations, même sur les juifs, une fois qu'il est fâché, une fois qu'il est pour, une fois qu'il est contre, les propos ne sont pas les mêmes, et surtout de temps en temps ils se trompent sur le personnage. Par exemple Haman, que tu le connais bien, l'histoire de Purim, il y a dans le Torah, Haman c'était le premier ministre de la Perse, d'Iran, de roi Achshourech. Mais dans le Coran, Haman il est premier ministre de Pharaon, et il est en Égypte. Ah d'accord. En Égypte, et 5 fois. Il y a le corps aussi. Par exemple, on dit que Myriam, c'est traduit par Marie en français, c'est Myriam en hébreu, c'est la sœur de Moïse, et l'autre Marie, c'est la mère de Jésus. Et mon mec confond les deux, je crois. C'est-à-dire qu'il règne apparemment à mille ans d'histoire du peuple juif. Ouais, on est pas plus les musulmans qui pensent que ma Myriam a vécu 1000 ans, je sais pas quoi, jusqu'à Jésus. Mais bon, ça me paraît assez tordu, ça. Voilà. Bon, mais je veux dire, moi je sais qu'il y a des choses dans le Coran, c'est sûr. Mais dans la limite, on ne parle pas au sud d'être toujours dans la vérité, hein. Parce qu'on sait qu'il y a tout problème de ce côté-là, on ne demande pas ça. On leur demande par contre d'être monothéiste, de croire en Dieu, de pas blasphémer, donc croire en un seul Dieu. On leur demande de ne pas être idolâtre, on leur demande de ne pas être immoral sexuellement, on leur demande de ne pas manger du monde dans le vivant, donc de ne pas être créé inutilement dans les animaux, de ne pas manger du monde dans le vivant, donc de ne pas être créé inutilement dans les animaux. On leur demande de faire des lois des magistrats pour les lois civiles, donc pour qu'il y ait des lois, des tribunaux pour contre loi et tout, et les mettre en pratique. On leur demande quoi encore, deux choses encore, j'ai compté sur mes doigts.
et on leur demande encore de... Attends que ça me revient. Tu connais l'Olachid, toi, tu le connais? Pardon? Qu'est-ce qui manque comme l'Olachid? T'as pas su le citer, qu'est-ce qui manque? De toute façon, on va pas donner de cours religieux ce soir, mais tu as la parole. Voilà, on vous écoute, voilà. Bon, c'est pour dire donc que dans le judaïsme, les musulmans n'ont pas de problème, pas parce qu'on entend le lieu des juifs d'eux. Hein. Les chrétiens se discutent et d'autres religions, je crois vraiment que c'est à plat. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, une chose qui est réelle, Pierre, comme les autres qui m'ont téléphoné hors antenne, on n'est pas contre l'islam, c'est ça, c'est-à-dire on est contre l'islam politique, on est contre l'islam djihadiste, on est contre l'islam terroriste. Il y a un islam dans le cœur de gens qui ne gênent personne, qui ne se manifeste pas dans la société, on ne le connaît pas, on n'est pas contre. Mais on est contre celui qui manifeste, qui est en train d'imposer ses vêtements, ses lois, ses disciples à la société moderne. Je veux dire, au sujet de Mohamed, tu dis parfois que c'est un imbécile et tout. Mais je veux dire, j'ai lu quelques pages du Coran, c'est pas un imbécile apparemment. Hein. Écoute, qui était intelligent. Pierre, hein? Pierre, moi j'ai jamais dit que Mohamed il était imbécile. Quand j'ai dit qu'il était imbécile, je parle des gens qui acceptent les promesses du paradis, je dis des imbéciles. J'ai jamais dit. Ah, ils sont des vierges, tellement intelligent, j'ai dit 10 000 fois. Il était tellement intelligent qu'il a su jouer. Parce que tu sais, au départ, il voulait devenir Majnoun, selon le Coran. Majnoun, c'est-à-dire celui qui prend le démon, qui fait sortir le démon de cadavre des gens. C'est une sorte de médecine, médecin psychiatrie, on peut dire. Mm. Alors, c'est Khadija, sa femme, qui est juive, et c'est Khadija qui l'empêche de devenir Majnoun. C'est-à-dire, Majnoun, ce n'est pas fou, parce que les Arabes, ils prennent Majnoun comme fou. Fou, ça veut dire Mahboul. Mahboul, ça veut dire fou. Mais quand on dit Majnoun, c'est-à-dire c'est l'individu qui est le djinn, le démon est entré, et c'est lui qui fait sortir le démon de l'individu. Voilà. Il va au départ devenir djinn, Majnoun, il dit, voilà, c'est un tabé Majnoun, toi tu n'es pas Majnoun, laisse tomber cette métier-là. Après, il va devenir chrétien, chef chrétien. Khadija, sa femme, elle est... sa femme, elle est d'origine juive, mais elle a des familles chrétiennes aussi. Elle va envoyer Mahomet chez un parent qui est chrétien, chef chrétien, pour qu'il devienne chrétien au moins, ou chef chrétien. Mohamed, il va aller voir cette Nofel, monsieur Nofel, parler avec lui, ça marche pas. Après, il va devenir juif, il va aller voir les juifs. Après, les juifs, ils vont l'examiner, parce que tu sais, devenir juif, ce n'est pas facile. Ce n'est pas comme les chrétiens, comme l'islam, qui te dit, tu deviens musulman, ou les chrétiens, tu vas aller, on va te baptiser. Non, devenir juif, c'est impossible, c'est très difficile. Alors, il ne peut pas devenir juif, mais il va devenir président ou maire ou patron de Yathrib, la ville qui est un peu loin de la Mecque. Là-dedans, il y avait des tribus juives, il y avait des problèmes. Il désigne Mahomet comme leur maire, comme le président, comme le chef de la ville pour qu'il installe la paix entre eux. C'est ça. Le qui manque dans les lois de Noé. Il faut pas commettre de meurtre, Ça c'est pour les musulmans qui tuent des malheureux. Eux ils font pas le Noachide, puis ils tuent des innocents. Il faut pas commettre de meurtre et il faut pas commettre de vol non plus. C'est toi, ça y est revenu. Les sept lois ils sont, hein. Voilà. Donc les musulmans qui sont dans la religion musulmane sont Noachides. Et en fait, il paraît que quand on parle de tuer les mécréants ou je sais pas quoi, c'est en fait c'est simplement leur faire imposer un impôt. Et au temps de l'islam, pendant des siècles et des siècles, il y avait le chiffre de Dini, qui était un statut inférieur, mais qui protégeait quand même en partie les chrétiens, les juifs et les chrétiens. Du moment qu'on payait l'impôt, on était protégé de l'islam. La vie était en partie, en principe, sauvegardée. On peut avoir des biens, on n'a pas le droit de vous voler, enfin le truc normal quoi. Voilà. Par contre, on n'avait pas le droit de monter à cheval, quand on était chrétien, on n'avait pas le droit
Enfin, il y a des interdits, hein, il faut, je crois qu'il fallait, il y avait, porter un vêtement, il me semble, je suis pas sûr. Bon, tu sais, toi, s'il fallait porter un vêtement particulier quand on était toujours chrétien, avec l'étude d'Imi? Oui, de toute façon, ça, comme tu viens de dire, c'est en sorte de gagner de l'argent qui existe cette loi-là jusqu'à maintenant dans certains pays. Ils sont obligés de payer une taxe assez forte pour que, soi-disant, le gouvernement musulman il les protège. Et tu sais, dans plupart des pays, dans tous les pays musulmans, les non-musulmans, comme juifs, chrétiens, bouddhistes, je ne sais pas quoi, ils ont des problèmes pour si quelqu'un est assassiné parmi eux, si quelqu'un est volé, et sous certaines règles de la société, ils ne sont pas un citoyen comme les autres. Bah, ils ont tué et volé, c'est normal, hein, ils ont passé par la justice, c'est normal. Si un juif a tué, un chrétien a tué ou volé ou quoi, c'est normal qu'il doit être jugé, c'est normal. Mais bon. Non, si c'est un chrétien, un juif, on a volé la totalité de ses biens, après on l'a tué, ça arrivait beaucoup dans les pays musulmans, même ici, maintenant aujourd'hui. Tu arrêtes l'assassin ne va pas avoir le même condamnation que s'il avait tué un musulman. Tu comprends? Ah, d'accord. Ouais. Ah, oui, d'accord. Oui, actuellement, c'est un des problèmes. Il y a déjà une semaine, le grand rabbin de Téhéran, il avait fait un interview que je diffusais. Lui-même, il dit si un juif est assassiné, c'est 10 fois moins qu'un musulman s'il était assassiné. Quand, on va le condamner, tu comprends? Enfin, je ne veux pas parler sur ce sujet-là actuellement parce que j'aime pas, voilà. Mais malheureusement, tous les autres religions dans les pays musulmans, même s'ils sont citoyens du pays, c'est-à-dire citoyens du pays, mais seulement avec une religion qui n'est pas musulmane, ils n'ont pas les mêmes droits au moment qu'ils vont aller devant la justice pour le crime commis contre eux. En tout cas, pour chez les juifs. Les juifs qui vivent en pays musulman, d'abord la Shoah a eu lieu en terre chrétienne et en terre musulmane, c'est quand même un gros morceau, et ensuite les juifs en terre musulmane étaient quand même en général mieux tolérés qu'en terre chrétienne, hein. Ils étaient moins persécutés pendant les près de 1300 ans ou 1500 ans qu'ils étaient l'islam. Mais je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire? Tu as oublié. Il n'est pas accusé de homicide, parce que c'est pas du tout la même chose dans l'islam que d'abord les juifs ont été tués d'après l'islam, puisqu'il était saint sosie, je crois qu'il a été tué à la place. Ensuite, et en plus, le juif n'est pas Dieu pour les musulmans, donc il n'y a pas d'homicide sur d'homicide de tuer Dieu, d'avoir tué Dieu pour les juifs, contrairement aux terres chrétiennes. Ils n'ont pas du côté d'empoiser les puits comme on l'a fait en terre chrétienne, mais, il me semble. Hein. Ils n'ont pas été accusés de prôner l'hostie, parce qu'évidemment c'est pas du tout la même religion. Et ils n'ont pas été accusés non plus de concrétiser les juifs encore, qu'on les accusait encore, de meurtre rituel. Maintenant je sais qu'en dire l'islam, on s'appelle meurtre rituel pour les juifs, parce que pour la matière et tout ça, qui est un mensonge et honte. Mais je veux dire, parce qu'ils ont commencé à copier sur les chrétiens vers 1840, un truc comme ça, quand il y a eu un enfant qui était mort, on a accusé juste d'avoir tué pour faire prendre le sang et mettre dans les paradis, mais tout ça pour la Pâque juive. Pierre, c'est quand même mensonge et honte. Pierre, quand même, puisque le débat de ce soir c'est le paradis, tu peux nous donner le schéma du paradis dans le judaïsme, voilà. Je crois que personne n'est venu pour dire, en général. Les jugulimes, il y a l'incarnation. Mais je veux dire, ce qu'on appelle le paradis couramment, le Haba, le monde futur, on dit nous plutôt, le Haba, ou le Gan Eden, le Jardin d'Eden. En fait, je crois pas qu'on se fait attendre 100% de ce que ça va être, hein. On sait que ça va être très bien, on sait qu'on sera heureux. Mais il n'y a pas l'histoire de VR, en tout cas, de son divers qui nous accueille et qui, d'ailleurs, il y avait un couple de jeunes musulmans qui le mari disait à sa femme, mais non, t'inquiète pas, tu seras préféré. Enfin, il plaisantait un peu comme ça, là, devant moi, que moi, je rigolais un peu, quoi.
Enfin, évidemment, c'est pas du tout la même conception que dans l'islam. Hein. C'est plutôt un bonheur spirituel qu'on aura, on sera auprès du Créateur, on en éprouvera probablement une sensation d'amour que enfin, je pense en tous les détails, et je veux dire, à mon avis, il faut faire confiance au Créateur, c'est qu'on a le souhait de très bien. Ce sera du bonheur pour l'éternité, quoi, enfin, dans le bonheur éternel. Voilà, il n'y a pas de toute façon de retour physique, c'est ça. Parce il y a que... des guilgoulim, il y a des guilgoulim qui se produisent après une. Quand tu es mort, tu as le choix entre le Galéden, si tu t'es très bien comporté, c'est-à-dire ce qu'on appelle le paradis, je crois. Jusqu'à la région des morts, des environs jugements et tout. L'enfer, le Gainam, tu as fait quand même trop de choses pas correctes. Et les Gilgulim, qui sont les réincarnations. Tu essaies de faire pas dans quelque chose avec les réincarnations. Tu essaies de te comporter dans la réincarnation et de rattraper le coup, si on peut dire. Alors, il y en a qui disent qu'il y a 3 Gilgulim, je crois. J'ai dit avoir contrat avec le juif. Il y a pas mal de Gilgulim possible, donc de ce côté-là. Bon, c'est encore une façon de pouvoir se rattraper en les Gilgulim pour une vie qu'on a assez bien réussi. Il n'y a pas ça en islam, je crois. Dans les chrétiens non plus, ils n'ont pas ça. Les hindouistes ont quelque chose qui ressemble, les hindouistes, les bouddhistes aussi, je crois. Pas tous les bouddhistes, hein, des bouddhistes que les chinois, ils n'ont pas ça, je crois. Enfin bon, l'incarnation, ça existe dans l'hindouisme, certains bouddhistes. Peut-être d'autres gens encore, mais ni chrétiens ni les musulmans n'ont ça, je crois. Le judaïsme, on est pas obligé d'y croire dans le judaïsme, on n'est pas obligé d'y croire au Gilgulim, hein, mais on peut y croire. Allô? On vous écoute, Pierre, on vous écoute. Oui. Là, pour le paradis, j'ai pas eu tellement de temps sur le sujet, mais je crois que. Enfin, moi je pose pas la question, hein, je fais confiance au Créateur, je sais que ça va être très bien, puis voilà, du moins qu'on l'a mérité. Il y a marqué d'ailleurs au sujet du monde futur, ton peuple, Sion, tous des justes, aura été apporté par moi, œuvre de mes mains, et je serai glorifié. Bon, c'est une image de mes mains, pour une image, mais je veux dire, et tous des justes, ça pose un problème, parce qu'il y a des justes qu'on prend vraiment mal quand même. Alors à mon avis, quand ils se comportent mal, c'est que vraiment, on a mis le paquet, quoi, pour que il est plus tellement responsable de ce qu'il fait, à la limite, je crois. À mon avis, c'était l'explication, hein. Je sais pas si c'est ce qu'on dit dans les textes, hein, mais à mon avis, c'est un prophète qui a dit ça, que on peut pas l'impression que tout se déjuste. Une interprétée par l'ordre de l'humain, il s'est glorifié. Les non-juifs, je crois pas que c'est exactement pareil. À mon avis, ça a eu les mains fortes quand ils tournent mal, et ils sont quand même responsables de ce qu'ils font pour beaucoup d'entre eux, en tout cas. Bon, ça y est. Bon, écoute, je crois que j'ai assez parlé, ça coûte des sous. voilà. Allez, au revoir. Au revoir, Pierre. Voilà, c'était Pierre sur 95.2 FM, mes chers amis. Vous écoutez votre radio sur 95.2 FM, et vous avez la parole. Alors, déjà, si vous avez d'autres éléments sur le paradis musulman que j'ai oublié de dire, ou peut-être vous avez envie de le dire, de rajouter, vous avez la parole. Même si vous voulez parler sur le paradis dans les autres religions, vous avez la parole. Et d'autres sujets, c'est quoi? C'est le problème de la jeunesse actuellement en France, surtout les étudiants. Les étudiants, ils vont avoir des problèmes, comme vous avez pu constater récemment, dans la sélection de leur futur, de ceux qu'ils vont continuer à étudier. C'est un peu difficile, question de bourse, et c'était un peu endurci. Et après, le coût de la vie qui augmente et de l'autre côté ça baisse, tout ça c'est grave pour la jeunesse.
95 FM, on va recevoir Miss Rebecca. Bonsoir Rebecca. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'entends encore la musique là, je suis à l'antenne vraiment? Oh oui, 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 non, pas, n'écoutez pas votre poste à la radio, écoutez à partir de votre combiné de téléphone, s'il vous plaît Rebecca, on vous écoute. D'accord. Non, bah écoutez, l'idée de paradis, ça m'interpelle. J'aime beaucoup cette idée. Donc, en fait, je voulais juste dire que moi, je crois que toutes les religions sont bonnes. Si elles ne sont pas faites avec l'extrémisme, et je pense que l'enfer, c'est sur Terre, donc il existe vraiment un paradis. Et donc, je crois à la réincarnation, comme l'intervenant qui vient de parler. Comment vous dire? Excusez-moi, je suis un petit peu lente dans les pensées. Non, non, prenez bien votre temps, on vous écoute, Rebecca. Je pense qu'en fait, je crois au karma, je crois à la réincarnation. Donc, si on fait du mal sur Terre, forcément, on le paye, mais on n'est pas obligé de se réincarner. En fait, on choisit de revenir ou pas. Donc c'est pour ça que pour moi, toutes les religions sont bonnes, bien que je ne sois pas vraiment croyante. Bon, mais il ne faut pas pratiquer à l'extrême. Sinon, ça donne des horreurs comme aujourd'hui. Et puis bon, vous avez parlé tout à l'heure de la Shoah. Bon, ça n'a pas été la seule extermination. Il y a les Indiens d'Amérique, il y a l'esclavage. Et donc, lorsque c'est à outrance, ça donne effectivement des génocides incroyables. Mais réjouissons-nous, il y a eu des expériences de la mort, de la vie après la mort. Je pense que la vie, ce n'est qu'un passage dans l'au-delà, que la vraie vie nous attend tous. C'est pour ça qu'il faut être bon et croire on se viendra après. Qu'est-ce que vous en pensez, David? Je suis d'accord avec vous, tout à fait, 100%. Mais comme vous dites, la vie est belle et après ce monde-là, vous pensez à quoi? C'est-à-dire, c'est réincarnation, on a bien compris. Moi aussi, je pense à réincarnation. C'est une idée très ancienne, plus raisonnable par rapport à toutes les autres idées qui existent. Mais alors, cette réincarnation, vous le voyez comment, Rebecca? Je vois que, en fait, on se réincarne si l'on veut revenir pour être encore meilleur et transformer les âmes. Mais on n'est pas obligé de revenir. Parce que vous savez, dans la vie, des fois, on rencontre des gens, on a l'impression de les avoir déjà rencontrés. Ils sont tellement beaux, tellement gentils, tellement... Il y a quelque chose qui nous lie. Et cela, je pense que c'est leur dernière réincarnation. Donc, on n'est pas obligé de revenir. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de mort véritable. Alors, une chose, Rebecca. Moi, normalement, j'aime pas parler sur les sujets comme ça, mais avec vous ce soir, surtout après notre histoire de tout à l'heure, j'aimerais bien vous exprimer et de vous dire de ce que je pense, vous savez, de ce que vous venez de dire. Vous dites, et vous rencontrez une mise en scène, vous voyez quelqu'un et vous pensez que vous l'avez déjà rencontré. Éventuellement, voilà. Mais en tout cas, je sais qu'il n'y a pas une religion meilleure qu'une autre. Non, non. La religion, c'est comme la politique, vous savez, on n'y croit pas, c'est pour diriger le monde. Mais moi, vous savez, pour moi, mon Dieu, le Dieu, le seul Dieu que j'ai, c'est la nature. Mon Dieu, c'est le ciel et la terre. J'ai énormément de respect pour le ciel et la terre et les animaux, les hommes, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut d'abord respecter la nature. Et voilà.
Vous rêvez de temps en temps, Rebecca? Vous rêvez? Je rêve, oh oui. Et vous vous rappelez le lendemain de ce que vous avez rêvé? Oui, je rêve, je vole, je survole les villes et je me sens libre. Bravo. Alors, vous savez, Rebecca? Oui. Pour l'esprit, il n'y a pas ni le temps, ni l'endroit, et ni rien de tout, enfin. Le temps, l'esprit, c'est comme la lumière, et il peut changer d'emplacement avec un clin d'œil de plusieurs milliers de kilomètres. Alors, le moment dans la vie que vous voyez certaines scènes, mais tout de suite, dans votre cerveau, vous dites, ah, ça, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vécu. Et vous savez, ça, c'est quoi? Je suis déjà revenu sur Terre. Ce n'est pas de réincarnation. Vous êtes en train de parler avec David ce soir. David, vous êtes quoi? Vous avez quoi comme formation, en fait, pour animer une radio? Excusez-moi, je ne suis pas très au courant. Je suis historien. Voilà. Alors, vous êtes en train de parler avec moi, Rebecca. Tout d'un coup, vous voyez, vous savez ce que je veux vous dire dans 2 secondes, dans 3 secondes. C'est quoi? Cette scène, vous l'avez déjà vue. Ça, ce n'est pas de réincarnation. Ça, vous l'avez vu dans vos rêves. Monsieur, vous ne pouvez pas savoir. Il y a des expériences médicales qui ont été faites. Il y a des expériences, vous savez, la vie après la mort. Il y a des expériences médicales qui ont été réalisées, qui ont été faites et qui sont en train de s'étudier au niveau scientifique. Et on sait maintenant que les gens qu'il y a une vie après la mort. Je vous donne un exemple, si vous voulez bien écouter. Une personne qui a été opérée à corps ouvert. Donc, c'est l'anesthésienne, elle a sorti le cœur, etc. Puis, cette personne-là a dit, il y a des baskets de telle couleur, de telle marque au 3e étage de la clinique. Personne ne voulait le croire. Ils sont allés vérifier. Il y avait des baskets de cette couleur, de cette marque, avec le lacet baissé, comme la personne a vu. Comment expliquez-vous ça, monsieur? Oh, vous ne m'avez pas laissé terminer ce que je voulais dire, Rebecca. Écoutez, monsieur, vous êtes là pour animer, mais pour écouter surtout les intervenants. Vous savez ce que je vous reproche, David, dans vos interventions? C'est que vous animez trop, vous prenez trop. Enfin, vous savez, moi, je regrette beaucoup Lisandre, Laurent, etc. Parce qu'ils étaient beaucoup à l'écoute, ils laissaient beaucoup parler, les intervenants. Moi, d'abord, Rachid, je l'adore. Bachir aussi, Mohamed. C'est parce que ça fait des années que j'écoute radio ici et maintenant. Et les animateurs, ils se comportaient autrement et laissaient écouter, intervenir les intervenants. Vous voyez, on était beaucoup plus libres. Vous voulez? Madame, écoutez bien. Moi, je vous ai laissé parler, comme j'ai laissé parler les autres. Vous me posez des questions. C'est vous qui m'avez posé des questions. Alors, quand vous me posez des questions, je suis obligé de vous répondre, premièrement. D'accord? Attendez. Vous m'avez posé des questions, je vous ai répondu. Et vous ne m'avez pas laissé terminer ma réponse, premièrement. Deuxièmement, je précise, j'insiste encore une fois. Je ne suis pas un animateur. Je suis un historien. Grâce à cette radio, j'ai une antenne libre avec vous. On discute, on parle. On parle. Quand il y a des imbécilités, des paroles, je vous arrête tout de suite. Voilà, ce n'est pas, vous avez la parole, vous pouvez dire n'importe quoi, faire des propagandes pour les islamistes, pour les terroristes, pour le, je ne sais pas quoi, pour les ténèbres et tout ça. Non, ce n'est pas ça, madame. Dès que vous dites quelque chose, que ce n'est pas raisonnable, que ce n'est pas réel, que moi j'ai le contraire de vos paroles, j'interviens. Ici, nous ne sommes pas là pour faire des propagandes pour les islamistes. C'est pour en être. C'est tout à fait clair. Mais de l'autre côté, je sais très très bien que pour la part de vous, vous êtes des musulmans engagés et vous pensez que David, il est contre vous. Non, je ne suis pas contre vous. Par contre, c'est ça, il faut savoir. Je suis un historien. Avec moi, on discute, on parle. Mais je sais très bien quand je parle du paradis. Même il y a les gens, depuis des siècles, qui ont eu peur de préciser, de dire ce que je viens de vous dire, même dans une phase. Je vous dis, je n'ai pas peur. Et de l'autre côté, je sais que les musulmans, qui ne connaissent rien de l'islam en plus, ils disent n'importe quoi.
Exemple, vous, madame. Vous, vous êtes l'exemple. Et il y a déjà 4 minutes, moi, je vous laisse parler, je n'interviens pas. Vous me posez des questions. À la fin, vous dites, David, qu'est-ce que tu en penses? Dès que je veux te répondre, tu ne veux même pas m'écouter. Et tout de suite, tu commences à juger David. Est-ce que vous avez compris, madame? Et voilà, c'est ça leur histoire. Et tout de suite, il part. Et elle part. Elle ne reste pas. Restez quand même pour discuter. C'est vous qui vous êtes parti, madame. C'est vous qui vous êtes parti. Imaginez-vous, avec David Abbassi, vous ne pouvez pas venir ici dire n'importe quoi. Vous me posez une question. En plus, toujours je vous laisse parler. Toujours je vous laisse parler. Mais vous posez des questions. Alors, je suis obligé de vous répondre. De vous répondre. Tu parles sur réincarnation, je te dis que je suis tout à fait d'accord. Après, tu poses d'autres questions. Le gars qui lève les couleurs des baskets en couleur, quelle couleur, je ne sais pas quoi, dans le premier étage, tu sais, c'était quoi? C'est le voyage de l'esprit. Ça, ce n'est pas de la science que je veux te dire. C'est de l'expérience. Vous-même, toutes et tous, vous pouvez avoir cette expérience. Quand vous rêvez, ou vous rêvez du passé, ou vous rêvez de votre présent, ou vous rêvez de votre futur. Trois solutions. Après, il y en a quatrième, c'est des cauchemars. Dans ce domaine-là, je suis spécialiste également. Mais jamais, dans mes émissions depuis 35 ans, je n'ai pas parlé de ça. Mais je suis un spécialiste à ce sujet-là. Réincarnation, je suis un spécialiste, madame, monsieur. L'idée de Zarathustra, la première idée dans ce monde concernant réincarnation, c'était Zarathustra, mes ancêtres, c'était Bouddha, mes ancêtres, et mes études, et j'ai pratiqué, madame. Mais je ne vais pas parler sur cette antenne de ça. Je ne vais pas parler. Je n'ai jamais parlé. Vous me posez la question, je vous réponds. Vous savez, vous rêvez de futur. Pour la part des choses que vous voyez, les scènes répétitives, vous voyez, oh, une voiture a écrasé une autre voiture. Ça, c'était BMW. L'autre, c'était Peugeot. Vous dites, oh, là-dedans, il y a une femme. Dans l'autre voiture, il y a deux messieurs. Et vous approchez, vous voyez, c'est réel. Une femme. Ça, ce n'est pas des miracles. Vous avez, vous, cette scène dans votre rêve. Moi-même, pour la part des fois, si quelqu'un me connaît bien, vous pouvez constater, pour la part des fois, certaines anecdotes historiques, des analyses, tout ça, c'était grâce à mes analyses. Mais pour la part des fois, j'avais écrit certaines choses et ça arrivé exactement la même chose. Ce n'est pas parce que j'étais en voyant, non, j'ai rêvé. Et le lendemain, tout de suite, ou même au moment que j'étais en train de rêver, je me levais, j'ai écrit mon rêve. J'ai un agenda, des choses comme ça, vous n'avez jamais entendu de David. C'est la première fois que j'en parle. Pourquoi? Puisque je sais, voilà, pour répondre. Je note, et j'ai certains agendas personnels depuis des années, depuis que j'étais même petit, je voyais des choses, le futur dans mes rêves. Et ça, vous, toutes et tous, vous pouvez le voir. C'est-à-dire, si vous notez vos rêves de futur, et vous allez voir, ça peut arriver. Alors, réincarnation, c'est autre chose, que je ne veux pas en parler là, ici, maintenant, ce soir. Mais vous avez la parole quand même, vous pouvez intervenir, vous pouvez nous appeler et vous pouvez vous exprimer en composant le 08 92 23 95 20. J'espère que vous avez bien compris. Il y a quatre sortes de rêves. Vous rêvez de futur, vous rêvez de passé, vous rêvez de présent, rêvez de présent et vous faites des cauchemars. Les gens qui ont ce que vous venez de dire, madame, que vous volez, vous voyez que vous êtes en train de voler, ça veut dire que vous avez un esprit très sain, très propre. Votre esprit, il est très propre. Mais de l'autre côté, quand vous êtes sur terre, vous jugez les gens, vous vous donnez nerveux, cette nervosité, puisque David, il a touché quelque chose. Il a touché votre paradis musulman. Vous êtes nerveux de David. Vous dites, vous me posez la question, même pas, vous ne me donnez pas 15 secondes pour répondre à votre question. Et tout de suite, vous vous nervez. Vous, que vous avez un esprit très, très sain, et par contre, comme vous venez de dire, moi aussi, je suis d'accord avec vous, les religions, s'ils ne se mêlent pas des affaires politiques, je précise des affaires politiques et gouvernementales,
c'est comme des psychiatres. Il peut, les chefs de mosquées, ils peuvent être comme des psychiatres. Ils peuvent soigner les gens, calmer ces gens. L'individu qui est calme avec un médecin ou avec un chef religieux, si tu le laisses, il sort. Le changement, c'est instantané. Docteur Alexis Carrel, qu'est-ce qu'il a écrit ? L'homme, créature inconnue, avec un clin d'œil, un homme tellement gentil, il peut devenir un grand assassin. Vous avez un saint esprit, vous êtes très gentil, madame. Vous rêvez que vous êtes en train de voler, ça veut dire que vous êtes très propre dans l'esprit. Mais de l'autre côté, puisque David il a parlé ce soir du paradis, il a dit certaines vérités sur le paradis musulman en citant le Coran même. Alors vous avez une haine envers David que n'importe quoi qu'il dit, vous voulez l'écraser. Et tout un coup vous posez la question, je vous réponds, vous m'attaquez pour rien du tout. Voilà. Ça, c'est des choses à revoir, madame. Voilà, mes chers amis, vous êtes avec David Abbassi, 95 de FM Radio, ici maintenant, et je précise qu'avec moi, au moins, puisque je suis un historien, voilà, je ne suis pas un animateur ici pour vous écouter, pour dire n'importe quoi. Même les autres animateurs ne sont pas comme ça ici, pour vous laisser faire des propagandes, dire des propos mensongers. Sur le paradis, ce que ce soir je vous ai dit, est-ce que vous avez jamais entendu ? Est-ce que vous avez jamais entendu que deuxième porte, c'est le djihadisme, le djihad, patati, patata, et comment, etc., etc. Et tous les exemples que David vous a donnés, vous avez jamais entendu ? Non. Je sais que au lieu que vous nettoyez certaines idées de votre pensée, vous devenez invoquablement ennemi de David Abbassi, puisque alors il a attaqué votre religion. Non, madame. Messieurs, il y en a deux islams. Si vous ne comprenez pas, et je sais que dans votre cœur, une grande partie, vous ne soutenez pas les terroristes, c'est autre chose, ça je le sais. Mais il y a un faible gens, ignorants, ils ne connaissent rien du tout, non plus de l'islam, mais seulement l'islam pour eux, sacré, 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 tu ne peux pas le toucher. Et voilà, c'est comme ça qu'on est en train de détruire notre civilisation. Cher Richard, bonjour Richard. Bonsoir, monsieur Abadi, et bonsoir, le Charlie. Bonsoir. Bien, je voudrais vous parler, enfin là, j'ai pas beaucoup de choses à vous dire, mais il y a quand même, le débat que vous faites, là, ça pose interrogation. Alors, pour moi, ça concerne, là, les 70 vierges, là, 72 vierges, là, auxquelles on doit, en arrivant au paradis, là, les combattants de l'islam intégriste. Vous êtes bien d'accord? Oui, cher Richard, oui. Oui, alors, et les femmes combattantes, là, qui se sont fait sauter à samedi, elles ont elles n'ont droit à rien, ou alors ça va les forcer à devenir lesbiennes. En plus, Richard, d'où est-ce qu'il va fabriquer 72, en plus, il dit femmes, mais c'est des filles vierges. Pour chaque individu, d'où est-ce qu'il va ramener, il va fabriquer. Même s'il prend la femme de l'individu, ça sera une femme, mais 71 femmes. Non, mais celles qui meurent en combattant, les femmes là, qui sont fait sauter avec leur truc d'explosif, là, leur ceinture d'explosif, elles n'ont rien, elles. Ou alors elles sont obligées de devenir lesbiennes. Bon, ça c'est une chose. Il y a à peu près un an ou deux ans, sur Arte, ils avaient fait une étude approfondie sur le Coran. Et ils avaient invité, enfin là, c'était très bien fait cette émission, ils avaient invité toute la fine fleur de spécialistes de religion. Alors, coranique, juive et chrétienne. Effectivement, ils dégageaient que, le Coran était une inspiration de la Torah et des évangiles et de la Bible à partir des tribus qui étaient réfugiées, les tribus chrétiennes et les juives qui étaient réfugiées dans la péninsule arabique. Bon, ça c'est une chose, donc ça confirme ce que vous disiez. Et alors, il y a quand même une chose
moi qui me... Vous êtes historien. Bon, c'est bien, ça nécessite effectivement une étude, enfin des études approfondies. Par contre, il y a quand même quelque chose. On en parle comme ça de temps à autre, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est réellement. Moi, je parle des tablettes sumériennes. Parce que les tablettes sumériennes, comment, ont déjà parlé de la Genèse, enfin c'est antérieur à la Bible, et effectivement il relate ce que la Bible a relaté, mais bien avant. Vous êtes d'accord? Ah, bien sûr, ça aussi c'est... Alors, le problème, c'est un problème pour l'historien, parce qu'il ne peut pas connaître, il ne peut pas étudier dans le texte les tablettes sumériennes. Il faut vraiment être calé et comment dire, je ne sais pas où trouver la formation, quoi. Et comment vérifier s'il n'y a pas d'erreur? Non? Bonne question. Hein, donc c'est ça. Et ce que je comprends pas, c'est que, comment dire, on n'a pas fait davantage publicité pour dire voilà les tablettes, qu'est-ce qu'elles enseignent, et ça mettrait peut-être les pendules à l'heure. Pour au moins la religion chrétienne et la religion musulmane. Et, alors vous parlez du paradis. Alors, il y a une chose intéressante. Bon, là, il a été question, là, très fugacement, là, de la, qu'on appelle ça, la vie après la vie, les proches de la mort, là. Les gens qui sont dans le coma, qui reviennent et puis ils font des récits de voyages célestes. Ouais. Et alors, il y a quand même, ça montre bien que c'est c'est universel à travers le temps et l'espace, puisque vous prenez, vous tapez sur votre ordinateur, vous tapez Ascension pour le paradis de Jérôme Bosch. Il vous décrit, fait le tableau exactement comme c'est décrit, comme les gens l'ont décrit dans leur approche NDE. Vous saviez ça? Non, ça je ne le savais pas. Eh bien regardez, tapez Ascension pour le paradis de Jérôme Bosch. Vous allez voir. Et donc c'est une scénario, enfin donc il y a tout le tunnel, enfin toute la lumière, tout, enfin bon. Donc lui déjà la pince, ça c'est. Donc ça montre bien qu'il y avait des récits à l'époque. Alors une dernière chose, c'est concernant les chrétiens pour le paradis. Oui. Alors je signale, il est dit dans les évangiles, c'est le Christ, qui dit. Quand les hommes quittent la terre, enfin arrivent donc au ciel, ils sont tous sexués. Donc il y a ni sexe. Donc ils ne peuvent pas avoir somme divierge ou je sais pas quoi. Enfin toutes les turpitudes de ce que nous racontent les autres. Ouais. Vous voyez, donc c'est écrit dans l'évangile, hein, que les hommes et les femmes n'auront plus de sexe. Alors après, bon, chacun raconte son histoire cosmique à sa manière pour croire à ce qu'il veut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Alors, vous, Richard, vous pensez qu'il y aurait le paradis physique réel, et comme on rencontre, même avec sexe ou sans sexe, ou c'est un paradis soi-disant spirituel? Comme on vient de parler. Le monde est tellement merveilleux que tout est possible. Alors si quelqu'un, disons, il trouve la place pour le paradis, tant mieux. Hein. Mais il y a quand même aussi une œuvre majeure dans la littérature occidentale, qui est de la Divine Comédie de Dante. Il exprime bien, hein, en fin de compte, il parle de l'enfer, de purgatoire et du paradis. Hein. Donc c'était pas n'importe qui, Dante, puisqu'il en a fait tout un récit, disons, extraordinaire. Et j'encourage enfin les gens à le lire, quoi. C'est vrai, vous nous avez conseillé un très très bon livre. Cet livre de Dante est très intéressant à lire, mes chers amis. Bravo, merci. Ouais. Vous l'avez lu quand vous aviez quel âge? Ah, je l'ai lu à 25 ans. Ah ouais. Ah. Il y a quand même des mystères, hein, c'est ça qui fait tout l'intérêt du ouais.
comment il a eu ses visions, là il y a eu quelque chose, là il a été initié, il a découvert quelque chose, quoi, disons. Alors est-ce qu'il a une expérience de MDE et tout ça, ou alors il se basait sur des récits de gens initiés peut-être, ou lui-même étant effectivement très instruit à ce sujet. Donc ça peut encourager les gens à le lire et puis à repenser leur façon de voir l'univers, quoi. Voilà, M. Abassi. Merci, Richard. Allez, pour votre témoignage. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir. Oui, c'est vrai, ce livre de Dante est très intéressant à lire. Voilà, pour vous préciser que David Abassi aussi, il y a déjà 25 ans, il a écrit un bouquin. Vous pouvez le trouver sur l'internet gratuitement, même en anglais, en français, en persan. J'ai rêvé de Dieu. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. J'ai rêvé de Dieu, il pleurait comme un bébé. Spiritualité, mes chers amis, positive, c'est très intéressant. Et si toute la religion a commencé à nous éclairer dans ce chemin et domaine, c'était tellement mieux, au lieu d'aller faire les guerres, conquérir le monde, tuer, massacrer les gens. L'esprit, mes chers amis, qui est le moteur de l'individu, on dit maintenant c'est le cœur, c'est le cerveau, il y a des examens scientifiques, etc., etc. Mais comme en pensaient les grands philosophes dans l'histoire, pour l'esprit, il n'y a pas du temps, il n'y a pas de temps. Le temps, ça ne compte pas. L'espace, ça ne compte pas. Distance, ça ne compte pas. C'est pour ça que vous dormez et en 30 secondes seulement. En 30 secondes, vous pouvez voyager 30 minutes, 2 heures, 3 heures. Vous allez voir des choses qui, dans le temps réel, va durer minimum 3 heures, 2 heures, 1 heure, mais 30 secondes. Vous êtes dans le métro, vous êtes devant le feu, il est rouge, vous vous arrêtez, vous êtes fatigué. Vous dormez 15 secondes. 15 secondes, vous voyez des choses de plusieurs minutes. Ça, c'est le voyage de l'esprit qui est réel, que vous pouvez le profiter de ça. Ah, voilà. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose inconnu, aller le chercher ailleurs, faire des études et tout ça. 15 secondes, vous rêvez, vous dormez, vous allez voir énormément de choses. Et pour la plupart des fois, comme je vous ai dit, il va être un parmi les quatre sortes de rêves. Vous pouvez voir le futur. Personnellement, j'ai cette expérience depuis mon enfant à ce jour. Et vous, je vous conseille chaque individu, quand vous rêvez, si vous pouvez vous réveiller tout de suite et noter ce que vous avez rêvé, vous allez voir. Vous allez voir après 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, tout ça, ça peut arriver. Pour finir l'émission de ce soir avec un très 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 bon et bel souvenir, vous savez, moi j'étais quelqu'un depuis mon enfant, je ne croyais jamais à me marier. Jamais. Alors je disais, mariage, non. Il ne faut pas faire des crimes, ramener une autre personne dans ce monde-là. Mais j'ai rêvé que j'avais une fille. À l'époque, j'avais 20 ans, 22 ans. Je disais, moi qui ne veux pas me marier, comment je peux avoir une fille? Et je voyais que cette fille était côte à côte avec moi, tatati, tatata. Et j'ai eu cette fille et c'était la vérité. J'avais vu correct. Après, puisque je veux partager avec vous un peu de ma vie personnelle aussi, c'est pas grave, on est amis. Même on se fâche de temps en temps, mais on est amis comme une famille. Dans une famille aussi, on peut se fâcher de temps en temps, mais on est amis. Vous savez, après, moi j'ai continué ma vie. Je ne pensais jamais que je vais avoir un autre enfant. Jamais. Pour la plupart des fois, c'était IVG par par ma compagne et tout ça. Là. Et j'ai commencé à rêver que j'étais dans le parc Monceau, en train de jouer avec mon enfant. Vous savez, au nord, je ne sais pas, dans le parc Monceau,
il y a l'avenue Ferdowsi. Ferdowsi, c'est un grand poète perse. Ici à Paris, vous avez rue Téhéran et vous avez avenue Ferdowsi. Avenue Ferdowsi, je voyais que c'était, j'étais dans l'avenue Ferdowsi et je filmais cet enfant avec le tableau de Ferdowsi. Après, on sortait avec l'avenue de Téhéran. Et tout ça, je l'avais noté à l'époque, il y a déjà 10-15 ans. Et j'ai consulté même plusieurs fois ce que j'avais noté. Et beaucoup d'autres choses, des histoires comme ça. Vous savez, la semaine dernière, il y a déjà une semaine, tout d'un coup, on était à venir faire dossier avec mon enfant Jordan de 4 ans. Il a 4 ans. Et tout ce qui était passé à la fin, j'ai déjà vu ça. Et après, j'ai retourné dans mon bureau. J'ai feuilleté mes agendas, l'ancien. Et là-dedans, j'ai trouvé ce que j'avais écrit il y a déjà 15 ans. Exactement, c'est arrivé il y a déjà une semaine. Ça... Et votre rêve, quand vous rêvez de temps en temps, c'est le futur que vous le voyez dans vos rêves. De temps en temps, c'est le passé, de temps en temps, c'est le présent, vous étiez en train de parler avec quelqu'un, le continu. Et là, il n'y a pas de temps, ni espace, ni la distance. C'est-à-dire l'esprit, pour l'esprit, il peut être, vous dormez, quelques secondes, vous pouvez être aux États-Unis, Japon. C'est pour ça qu'on dit, si vous voulez réveiller quelqu'un, réveillez-le doucement, doucement, pour qu'il aura le temps de retourner, de l'exprimer. De toute façon, il est tellement bien organisé cette affaire, et même si vous le réveillez rapidement, l'esprit, il est n'importe où, tout de suite, il va être présent dans le cœur. C'est pour ça qu'on dit réincarnation, c'est ça. On dit le cadavre, le cœur, c'est le vêtement. La lumière éternelle, c'est l'esprit. C'est cet esprit-là qui va rester toujours éternel. Et avec ça, et grâce à ça, il aura la vie qui va continuer, bien sûr. Mais moi, je pense, c'est mon idée. C'est mon idée. Ne vous fâchez pas encore, vous revenez dire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de paradis physique. Tout ça, c'est des mensonges. Tout ça, c'est... Il y avait des gens intelligents. Le prophète de l'islam était un type très intelligent, je l'avais dit plusieurs fois, j'ai jamais dit qu'il était imbécile. J'ai dit les gens qui le suivaient pour le paradis, c'est des imbéciles. Parce que le paradis, je viens de vous raconter ce soir, c'est le paradis qui est désigné là-bas, vous pouvez l'avoir avec un salaire SMIC ou de 2000 euros, et vous pouvez avoir une belle femme. Déjà, vous allez satisfaire cette femme-là, ça vous suffirait, hein. Il ne peut pas avoir l'envie de 72 vierges, c'est du travail. Deuxièmement, tout ce qu'il vous a promis, comme les vêtements en soie, vous pouvez l'acheter, pas cher. Actuellement, le même costume qu'aux Champs-Élysées, dans les grandes vitrines, ils vous le vendent à 2000 euros, vous pouvez l'acheter à 200 euros. Et la même chose, vous pouvez l'acheter à 50 euros. Avec un peu de différent, enfin, vous pouvez l'acheter. Après, avoir du lait, du lit, du miel dans la vie, c'est tellement facile. C'est pour ça que j'ai dit, Mahomet, il était tellement intelligent, il a promis aux gens Nil et Forat, le paradis persan, le paradis d'Égypte, paradis Liban, Istanbul, paradis de la Rome et tout ça, pour élargir son royaume, même après lui. Et les gens qu'ils ont acceptés jusqu'à aujourd'hui, ils commis des crimes. Ils commis des crimes. Et ils tuent des innocents sous les traces des cafés. Et ça continue tous les jours. Ces gens-là sont des imbéciles. Mais lui, il était tellement intelligent. C'est grâce à son intelligence qu'il a pu créer quelque chose qui a duré 14 siècles. Et qu'aujourd'hui, partout, on parle de ça, et de ce monsieur, et de cette religion. Mais je sais, une grande partie du peuple musulman dans le monde ne sont pas musulmans comme les islamistes, terroristes et djihadistes. C'était notre émission de ce soir. Permettez-moi de vous embrasser toutes et tous, et que la paix soit installée partout, l'amour, l'amitié, et une vie saine, saine avec une femme,
que vous pouvez le faire satisfaire et acheter du vin, du lait, du miel et de l'eau et bouvez autant que vous voulez. C'est pas la peine d'aller chercher des rivières. Tout ça, c'est des mensonges, mes chers amis. Je vous embrasse toutes et tous et je vais remercier la personne qui m'a conseillé de parler sur le sujet du paradis parce que c'était très utile et j'ai reçu beaucoup d'appels. Je sais que la plupart de vous, vous ne voulez pas intervenir, vous ne voulez pas, parce qu'on connaît votre voix, tout ça, c'est ça, mais c'est pas grave, avoir peur, c'est normal. Mais en vous encourageant, David, je vous remercie beaucoup, toutes et tous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Au revoir.